Un lundi chargé pour le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Chérubin Okende Senga a eu des séances de travail, d'abord avec la société chinoise AVIC, qui veut construire 5 aéroports en République démocratique du Congo. Œuvrant dans la partie est de la RDC, la société Amani Construction a présenté à Chérubin Okende le projet de construction des ports à Kalungu et Kalehe, dans la province du Sud Kivu. Le désenclavement du pays devra passer par la construction du port en eau profonde de Banana à Mwanda. C'est le vœu du collectif de retraités de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, exprimé au ministre Chérubin Okende Senga au cours d'une audience leur accordée. Venu présenter des civilités au ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, le député national et cadre du parti d'opposition PPRD, Yves Kisombe était également porteur d'un message d'encouragement à Chérubin Okende. Des faits alarmants sont constatés dans la gestion de plusieurs entreprises du secteur des transports. C'est ce qu'a dit Jules Alinguete, inspecteur général des finances à Chérubin Okende. Comme vous le savez, l'inspection générale des finances a effectué des missions de contrôle auprès de la régie des voies aériennes, des Congo Airways, de la société commerciale des transports et des ports. Nous avons également échangé avec l'autorité sur la nécessité de procéder à un audit administratif financier et technique de certaines entités relevant de son autorité, pour voir également comment on peut faire pour sauver ces entités de la mauvaise gestion. Après avoir pris part active à la 10e réunion du Conseil des ministres, Chérubin Okende a reçu dans la soirée le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Le sujet de sa visite aujourd'hui avec le ministre était de discuter des opportunités de logistique et de transport pour la RDC au sein de la ZLECAF et également de parcourir les possibilités de financement. Il est venu notamment avec un partenaire crucial, comme vous le savez, Afrexim Bank, qui est une banque africaine qui aide en fait les investissements sur des projets africains. Voilà. Votre ministre a été très récepteur et était très positif par rapport à la conversation. Il comprend très bien les enjeux de la ZLECAF et la position de la RDC par rapport à ceci. Il a aussi ses secteurs de priorité, donc il a expliqué. Donc il sait vraiment sur quel secteur se focaliser. DRC is at the heart. Limete Sokopao, appelé communément Pakajuma. C'est sur ces sites spoliés de la Société commerciale des transports et ports Exonatra que le ministre des Transports a clôturé sa semaine de travail. Qui peut occuper et qui ne peut pas occuper. L'envahissement de cet espace freine visiblement le développement de Kinshasa et crée l'insécurité avec toutes sortes de débauches et actes de banditisme vécus ici. Le projet de relance du train urbain se voit ainsi bloqué. Donc nous proposons après cette visite d'inviter toutes les parties prenantes. Il y aura aussi la participation du bourgmestre ainsi que du conservateur. Et les députés provinciaux et nationaux de Kinshasa ne seront pas mis en l'est. Et nous allons voir, clarifier le plus rapidement possible. Nous avons l'ambition de relancer le train urbain dans la ville-province de Kinshasa, sur instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et nous ne pouvons pas le faire aisément lorsqu'il y a la voie ferrée qui est si occupée dangereusement. Le directeur général de la SCTP a reçu des Chérubin Okende des instructions claires en vue d'amorcer dans l'urgence la construction du mur des protections de la voie ferrée urbaine de Kinshasa.